contemporain pour nous indiquer le chemin qui nous conduira au royaume. Au nom du Père et du Fils, de la Mère et de la Fille, dans l'unité de l'Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Aidez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie soit notre avocate. Amen. Mystère douloureux, première dizaine, l'agonie de Jésus, fruit du mystère, la contrition de nos péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, aidez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie soit notre avocate. Amen. Deuxième dizaine, la flagellation, fruit du mystère, la mortification des sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, et aidez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen. Troisième dizaine, le couronnement d'épines, fruit du mystère, l'humilité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes. Aidez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie soit notre avocate. Amen. Quatrième dizaine, le portement de la croix, fruit du mystère, la patience. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Aidez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans les cœurs de tous les peuples, afin qu'ils soient préservés de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie soit notre avocate. Amen.
Cinquième dizaine, le crucifixion, fruit du mystère, la conversion des pécheurs que nous sommes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, aidez surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, envoie à présent ton Esprit sur la terre. Fais habiter l'Esprit Saint dans le cœur de tous les peuples, afin qu'il soit préservé de la corruption, des calamités et de la guerre. Que la Dame de tous les peuples qui fut un jour Marie, soit notre avocate. Amen. Ô Dame de tous les peuples, priez pour nous. Ô Dame de tous les peuples, priez pour nous. Ô Dame de tous les peuples, priez pour nous. Par notre consécration à Marie-Paul, tournons-nous vers elle, souveraine de notre cœur, afin qu'elle prenne possession de plus en plus de tout notre être. Ô Marie-Paul, Dame de tous les peuples, Mère du royaume et souveraine de la terre, je tourne aujourd'hui mon cœur vers toi, car tu es l'envoyée de Dieu pour notre temps, dans notre monde. Il t'a choisi entre toutes les femmes, il t'a confié le sort de l'humanité terrestre, et il t'a donné tous les pouvoirs. Fille de Marie la Divine, et fleur des fleurs dans le jardin de Dieu, dans l'intime conviction que par toi s'accomplit une œuvre grandiose, et que tu es l'Immaculée Co-Rédemptrice,
issu du cœur de Dieu Rédempteur, je me consacre à toi, je me livre à toi dans la totalité de mon être, en toute liberté, sans rien retenir et sans rien réserver. Ô Marie-Paul, fille de Dieu Père et de l'Immaculée Mère, épouse de Jésus-Christ dans le feu de l'Esprit, je sais que tu ne fais qu'une avec la divinité totale qui régit toutes choses au ciel et sur la terre. C'est pourquoi je veux t'aimer, te servir et te faire régner dans le monde, afin qu'en toi les peuples viennent boire à la source du renouveau, car le royaume que tu viens établir est le fruit de ton amour en toutes ses dimensions. Je m'offre à toi pour hâter l'avènement de ce royaume et pour y travailler de la manière dont tu voudras bien m'utiliser. Que rien ne m'arrête et que je ne craigne rien, ni la malveillance des êtres humains, ni les séductions des forces du mal. Que jamais je n'oublie que tu seras toujours avec moi, surtout s'il m'est offert un jour de te faire le sacrifice de ma vie. Qu'à ton exemple, en servant tout en Dieu d'abord, et qu'ainsi je permette aux hommes, aux femmes et aux enfants, du présent comme de l'avenir, de se nourrir de ta vie d'amour et de la reproduire de l'aurore du royaume jusqu'à la fin du monde. Amen. À l'occasion de la journée de prière sur les événements providentiels, le Père Léandre livrera une méditation sur la nécessité de la venue de Marie-Paul en ce monde, à l'heure même où celui-ci s'écroule. À l'égard de l'humanité, Marie-Paul est l'événement providentiel absolument nécessaire et tant attendu. Marie-Paul est la réponse aux détresses des peuples. Après la chute de la tyrannie et de l'oppression, elle rétablira la foi en un seul Dieu, en adoptant un style nouveau. Guidée par Dieu et abandonnée à lui, les chefs des peuples et les membres se reconnaîtront égaux devant les 10 commandements, seuls garants de la liberté véritable. Suite aux illusions du matérialisme, de la consommation et de l'hédonisme, elle suscitera dans les âmes l'attrait de la vertu, source de joie profonde et moteur d'un épanouissement durable. Silence, ordonnera-t-elle aux tempêtes meurtrières des guerres, et entre adversaires, elle fera descendre l'amour fraternel et le pardon mutuel. Marie-Paul est la lumière qui sera placée sur le lampadaire des religions. À la fin du relativisme moral qui a dévitalisé l'enseignement religieux, Marie-Paul ravivera dans les âmes la soif de l'absolu. Les communautés religieuses retrouveront leur élan vital et elles deviendront de nouveau un guide pour tous les croyants. Après le sentimentalisme qui a émoussé la foi et attiédi les âmes, Marie-Paul insufflera une spiritualité mystique centrée sur les événements providentiels qui favorise l'éclosion de la vie divine. Face au cléricalisme qui a étouffé les élans sincères de tant d'âmes, Marie-Paul introduira dans l'hiérarchie religieuse le pôle féminin, gardien de l'autonomie et de l'originalité des différentes expressions de la vie. Marie-Paul est la mère qui redonnera aux familles la priorité et l'indépendance qui leur sont dues.
contre l'individualisme qui a enfermé tant de jeunes et de moins jeunes dans une quête de soi vaine et stérile, elle valorisera le dévouement paternel et maternel, fondement d'une société harmonieuse. Après l'ingérence idéologique qui gangrène l'éducation et qui cherche à supplanter la voix des parents, elle confortera les familles dans leur discernement et renforcera leur confiance dans leur mission. Quand se tairont enfin les sirènes criardes du divertissement qui abrutit les enfants, Marie-Paul les orientera vers la découverte de leur vocation et les incitera à embrasser un destin à la hauteur de leur idéal. Marie-Paul est la solution à la désagrégation sociale. Lorsqu'auront cessé enfin les dénigrantes luttes politiques et sociales, elle forgera en l'homme une nouvelle mentalité enracinée dans la dignité humaine et faite de respect, de compréhension et de compassion. De nouveau, on saura s'écouter et surtout s'apprécier. Après avoir subi les affres d'une culture qui dénature l'humanité et lui brise les ailes, Marie-Paul inspirera un renouveau fulgurant de l'art qui deviendra source vivifiante dans le cheminement des âmes vers Dieu. Pour mettre fin au fléau de la solitude qui affecte tant de personnes dans notre monde connecté et moderne, elle tissera des liens solides et chaleureux, unissant les cœurs dans une charité spontanée. Marie-Paul est la révélation qui rétablira les sciences dans leur axe vertical. Aux observateurs des étoiles et aux explorateurs de l'infiniment petit, elle élargira le champ de vision aux trois mondes de la Terre totale et jusqu'à l'orée du monde divin. Aux dévoués de la médecine, elle offrira la clé des trois corps, guidant leurs efforts vers l'unité de l'être en vue de l'union à Dieu. Aux bâtisseurs et aux ingénieurs, elle confiera l'arcane du nombre sacré, qui inspirera des structures et des infrastructures à l'image de la splendeur et de la simplicité de l'harmonie céleste. Et finalement, Marie-Paul est la co-rédemptrice tant attendue pour écraser la tête du serpent. Sur l'horizon obscurci de notre humanité se lèvera son cœur immaculé, tel un soleil ardent qui se fixera au firmament des peuples pour ne plus jamais le quitter. Avec tendresse et discrétion maternelle, elle soignera les âmes meurtries par le péché. À celles qui ont subi le mal, elle apprendra la sagesse libératrice de la croix et du pardon. À celles qui ont fait le mal, elle octroiera la miséricorde à la mesure de leur repentir. Pour les âmes déjà sauvées qui attendent au ciel, elle sera le corridor qui leur permettra de ressusciter afin de poursuivre leur chemin vers Dieu. Ce renouveau universel qui nous attend et qui émanera du cœur de Marie-Paul aura ici-bas son institution phare, son centre d'opération, son point d'ancrage. Dans les œuvres fondées par Marie-Paul et les explications qui en sont données, nous voyons comment tout converge progressivement vers et s'articule autour le mystère de la royauté. De même que la rédemption fut jadis confiée à l'Église, la co-rédemption est aujourd'hui confiée à la royauté. Et parce que la rédemption et la co-rédemption sont inséparables, et parce que Dieu veut unir l'Église et la royauté,
Les deux seront, les deux sont, unis dans la même réalité, sous le même sceptre qui règnera sur un seul royaume. La royauté est à un peuple ce que l'événement providentiel est à chaque individu, à savoir la manifestation de la volonté divine. Ce qui nous conduit à cette réflexion du roi d'Église, écrite aujourd'hui il y a exactement 10 ans. L'avènement du royaume est donc une nécessité, mais est-il d'actualité? Sans aucun doute, et pour bien des raisons dont celle-ci. Le ciel eût-il officiellement institué la royauté nouvelle ou royauté sacrée si elle n'avait aucun rapport avec le monde actuel, avec la place qui sera celle de l'œuvre dans la société dès qu'une porte de communication s'ouvrira? Et si elle n'était rien d'autre qu'une vague promesse pour beaucoup plus tard, une réalité dont la plupart d'entre nous ne verront en tout cas jamais la réalisation? La question posée par le roi est rhétorique. Cela veut dire que la réponse est évidente, à savoir la royauté sacrée n'est pas une vague promesse pour plus tard, ni une réalité dont la plupart d'entre nous ne verront en tout cas jamais la réalisation. Elle est une présence dont le déploiement à une échelle plus large nous attend, nous, les membres actuels de l'œuvre, et nous, dans le sens de nos contemporains encore endormis. Et alors, dit le roi, ce sera le royaume de la dame. Il faudrait vraiment que Marie-Paul puisse dire à Dieu, son Père, et à l'Immaculée, sa Mère, « Voilà le monde que les hommes ont réussi à construire à la suite de mon intervention, sous la guidance de l'Esprit. J'ai donné ma vie pour qu'il soit conforme à votre volonté sainte et que les hommes y connaissent le vrai bonheur terrestre avant d'entreprendre l'ascension de la longue échelle des mondes et des états d'être qui conduit à votre cœur, foyer d'amour infini pour tout l'univers. » Nous terminons cette heure mariale par le chant « En tous les temps, en tous les lieux ». Pour clore cette journée de prière, nous vous donnons rendez-vous sur Radio Amour ce soir à 19h, lors de la diffusion d'une heure eucharistique.